Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On est avec Chobi et pour Rodaf. Salut tous les deux. Salut. Et on se retrouve du coup juste avant la quête. Alors est-ce qu'il y a dans la grotte? Je ne sais pas. En tout cas il y a plein de champis. Ça c'est sûr. Champi. J'ai pas l'impression que c'est dans la grotte. C'est dans la petite maison qui est là. Ah oui, la petite maison. Tu veux lire la page dans la... Je te laisse lire si tu veux. Message de Sarah O. Activation de la graine. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez découvert ma maison. J'espère de tout mon cœur que vous êtes là pour m'aider. Prenez la graine dans la pochette, telle qu'elle, elle ne fait rien, mais Barbebook saura l'activer. Apportez-la lui. C'est la clé pour anéantir le pouvoir de l'exécuteur. Alors, il paraît qu'il y avait 5 notes dans l'île. On va explorer l'île. Ça a changé ou pas? Non, c'est toujours marqué 5. Oh, mais je me demandais si ça pouvait être. Ouais, mais la quand graine, tu les lis, je crois qu'elles disparaissent pas. Non, elles disparaissent pas. Faut trouver des trucs fixes où ça pourrait être indiqué. Pourrait se coller. Dans la grotte, il y avait rien. Une seule note dans la grotte. Oups. Ah. T'es tombé sur une. Ouh la vache, il y a du monde là. Ah mais il y a une saloperie qui invoque là, c'est pour ça. Tiens. J'ai plus d'arc mais j'ai un tromblon. Suffit oui. Je vois pas ta tombe, si elle est là. Mais t'es devenue toute blanche maintenant. Et... Fais voir un peu, comment t'es? T'as vu rien de mon super t-shirt. Ah oui, t'as un t-shirt avec un chat qui a une écharpe. Oui. Et tu passes de gothique tendance lumineuse à lumineuse tendance gothique. Un jour sur deux. C'est ça. T'es sûr qu'il y a 5 notes sur cette île? Bah c'est ce que dit la map, mais ouais je vois pas du tout, elles peuvent être hein. Or elles sont planquées en hauteur là et il y a un moyen d'y aller autrement, je sais pas. Ça fait beaucoup 5. Bah ouais, je suis d'accord, ça fait beaucoup, ouais, mais... Surtout qu'on en trouve aucune. Puis y a pas des masses d'endroits où... Enfin, elles sont pas dans la pleine... en pleine nature d'habitude, quoi. Des fois. Ouais, des fois elles sont mises sur les cailloux et tout, mais... Elles peuvent pas être sur des arbres ou quoi que ce soit. Sur ce gros caillou, par exemple, peut-être. Dans la zone de la maison, j'avais fait le tour, j'avais rien vu. Non, mais c'est peut-être juste une manière de dire que c'est là qu'il y a la quête. Hein. Ouais. Bizarre, hein, je sais pas. Bon. On va voir Barbebook. Ouais, on rentre du coup. On se TP, ouais. On y va à pied. On peut y aller à... comme vous voulez, on peut y aller à pied. Hein. Bon, si on chauffait deux îles, on récupère le chemin de Christophe. Ouais. Ça va le faire. Hop, j'ai mis le marqueur. C'est énorme cet arbre. Toc. Ah bah t'es sur le chêne tout en haut là, hein. C'est le vieux chêne mort dont il nous parlait Barbebook. Il y avait plein de scrutellaires mais on a tout ramassé avec Chobiti. Allez, j'arrive, hop. Ton micro a filtré ton rire démoniaque, Chobiti. Let's go. Let's go. Mon rire démoniaque. Ah à gauche. Je crois que t'as laissé Chobiti derrière. Là. Ah, pardon. Non mais Chobiti, elle... La...
Ah, je pense qu'il va falloir qu'on regarde les paramètres de Discord parce que vraiment il active. Il active ton son bizarrement. Il doit être trop le détecter pour parler, je pense. C'est pas possible. On avait pas le souci la dernière fois. Bah, la dernière fois, on n'y a pas fait particulièrement attention non plus. Mais. On avait le vent la dernière t'as fois. T'as des soucis quand il y a des mises à jour en fait. Des mises à jour Windows, souvent t'as des soucis. Enfin, je sais que moi, d'un coup, il me retire le micro, des trucs comme ça de Discord. Hein. Donc. Putain, c'est ouf, toutes les bestioles qu'on repopait là. Ouais. Mais je... Allez, voilà, on est presque. Prêt. Go. À gauche. Paix, y'a des paix, des paix. Ah là, on t'a bien entendu par exemple. J'entends le petit bling de la personne que je suis derrière moi. T'entends aussi. Putain. Je pensais avoir tourné pourtant. Ah, c'est pas par là où je vais. C'est facile, il faut aller vers le point jaune. Alors, il paraît que vous avez plus de bouffe, les gars. Effectivement. Hop. Et du coup, on peut vous mettre aussi. Normalement, maintenant, on peut débloquer. Voilà, le carré de citrouille. On peut démonter ces trucs qui ne servent plus à rien. Je vais parler à Barbebook. Attends, je reconstruis juste la bouffe avant. Ah, ça va. Que j'ai lancé. Donc, oh oh, merveilleux, tu as trouvé la graine, mais bien sûr, j'ai observé toutes tes aventures aussi clairement que si j'étais à tes côtés. Nous pouvons à présent commencer le rituel. Avais-je mentionné le rituel? Je suis sûr que oui. Bref, il y a un rituel. Je n'ai jamais accompli ce rituel-là auparavant, mais j'en ai fait beaucoup d'autres du même ordre. Les trois mains de la déesse me guideront, alors je suis certain que tout se déroulera sans la moindre difficulté. Je vais transformer cette simple graine en arme, c'est certainement ce qu'il se passera, j'en suis presque sûr. Sens-tu l'énergie qui crépite tout autour de nous? Elle est unique. Donc, elle est unique, stimulante, peut-être même un peu dangereuse. Mais bon, je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Commençons. Alors là, c'est un petit peu déconné, mais Chobiti disait que ce rituel vaut le détour et qu'il faut bien ouvrir les yeux. D'accord. Et si je me gourre pas, Brodaf, t'as juste dû entendre un vaut. Ouais. Donc on va faire des tests après cet épisode pour trouver ce qui se passe, parce que... Et tu vois, Brodaf, ça c'est le truc de bouffe ultime, des carrés de citrouille. Ça fait autant de bouffe qu'une grosse ferme là, en échange de rien. Y'a pas besoin d'eau, y a besoin de que dalle. Non, même pas, y'a pas besoin d'eau, pas d'électricité, pas de graines, juste rien. Oh, c'est sympa. Ouais, bon, faut aimer la citrouille, hein. Ah ouais, il paraît que c'est leur nourriture préférée, donc. Bon, bah on se lance le rituel là. Ouais, j'étais en train de les upgrader là, mais. Je vois ça. Et du coup, pendant que tu fais ça, je vais vérifier en speed si on peut pas se débarrasser d'un peu d'eau. Alors en eau, on consomme 3, 6 et 3, 9 et 3, 12, 15. Ouais, on est à moins de 30, donc on peut se débarrasser d'un truc d'eau. Hop. Et probablement rajouter du coup des citrouilles, parce que si on ne bouge pas, avec tout ce qu'on va augmenter là, il va y avoir besoin.
vais les garder pour les remettre quand ils auront mangé. Je crois qu'on est au niveau max de camp, hein. Ah, peut-être pas encore tout à fait. Non, pas tout à fait. Allez, un dernier Broodaf. On sera bien. C'est en cours. Et boum. Et ça y est, on est à 250 de niveau de camp. Et on doit être plutôt pas mal. Après, je crois que je peux encore en augmenter. On upgrade hein, des dragueurs. Ouais ouais mais attention parce que là on est au niveau max donc on pourra plus rien construire d'autre. Par contre on va redébloquer des dragueurs dans la prochaine zone. Hein, donc, Et on va Ok. Bon, ouais, je dépose tous mes cristaux. J'ai coupé. Non mais oui on va changer de région. Ouais c'est ça. Là on est à combien? 148 d'eau pour 138, 154 de bouffe pour 138 et 175 de divertissement pour 155. Si on rajoute 4 ou 5 dragors, ça va changer. Fais le rituel maintenant ? Ah non, le rituel ça fait changer de zone, c'est ça hein ? On va passer à l'hiver, non ? Ouais, le rituel ça fait changer de zone, ouais. Et ce que j'ai dit, c'est que les. On peut faire passer les anciens, après on peut les faire grandir et ils redeviennent des nouveaux dragors. Mais... Ah. On va faire le rituel, allez, c'est parti, je lance le rituel. Ouvrez les yeux. Ceux qui sont anciens, les faire passer en. Babouk. Attention, il y a la grande classe. Un petit raid dans ce cadeau. Oh non, non. Mais, sérieux? Allez les gars, au poste de combat là. Faut bouger le fion là. C'est pas le moment de regarder le paysage là. Allez hop. Je veux quelqu'un sur cette baliste, pas plus tard que hier. Démerdez-vous. Putain, il va voir. Qu'est-ce que vous faites aussi loin, les copains? Encore. J'ai même pas le temps de tirer, les dragons ils tuent tout le monde. Ouais, ils s'en sortent très bien. Ouais, on peut, en fait, on peut faire le tour et ramasser le loot. J'ai placé les balistes un peu près de... à quelques endroits encore où c'est pas idéal mais on va se faire défoncer. Hop. Bon bah voilà. Allez voir Barbe Book, c'est parti. Coucou. La graine s'est transformée. Bon, elle ressemble toujours à une graine, mais tu as sûrement remarqué qu'elle regorge maintenant d'énergie magique, exactement celle dont tu as besoin. Regarde, si tu la poses sur ta paume ouverte, elle indique le nord. C'est donc la direction que tu dois emprunter.
Rassemble ce dont tu as besoin et dirige-toi vers le nord. Cette clé te mènera où tu dois aller. Unis-toi avec les mères nourricières. Et ben on est parti. J'ai envie de dire. Ouais. C'est parti. Alors, régénération du monde. C'est parti. Et voilà, on est bien. Donc, tout gelé. Non. Il va falloir fabriquer des torches et des chauffages. Et là, on arrive à un moment où, à mon avis, on voit que le jeu n'est pas tout à fait terminé. Dans le sens où il y a différents types de chauffage, et en fait il n'y en a qu'un seul qui est vraiment utile, et c'est celui qui est gratuit. Ah ben non, il n'y a plus personne pour moi. Ouais, il faut en dégeler au moins un. Alors maintenant on a un petit renard pour nous guider. Qui s'appelle Petit Renard d'ailleurs. Très bien. Petit Renard, oh, une nouvelle tête. Tu es avec les gentils ou les méchants? Tu n'as pas une odeur de nourriture en tout cas, je pense qu'on peut être copains. Tu veux jouer? Je pensais qu'on était amis, mais ils restent plantés là, ils ne veulent plus jouer. Avant, ils faisaient des trucs, maintenant ils sont nuls. Et tu pourrais peut-être les aider, je crois qu'ils ont besoin d'aide. Maman me dit de ne jamais parler aux étrangers, mais tu as l'air chouette, toi. Il y a des choses pas chouettes du tout, comme au nord. Au nord, c'est pas chouette, pas chouette du tout. La vieille dame a essayé d'aller vers le nord, elle s'appelait Sarah, mais elle était trop âgée. Ça n'a pas l'air d'être ton cas, tu sembles assez jeune pour jouer, tu veux jouer? Bonne chance avec tes amis, j'ai hâte que tu reviennes, on pourra jouer tous ensemble, j'ai super hâte de jouer. Ok, il nous donne une petite torche. Petites torches. Normalement avec les torches, voilà, on va pouvoir en libérer au moins deux. Alors faut les garder les torches parce que derrière. Alors on peut lui vu qu'en fait on avait dépassé le. Ouais, vas-y, camp, il y a une deuxième parler, fois. Ouais. Vas-y. Alors, oh là là, tu as bien arrangé cette petite ville. Pendant que tu t'occupais de bricoler et de faire du feu, moi je suis parti à l'aventure. J'ai découvert une île effrayante, loin au nord d'ici. J'avais trop peur pour m'approcher, mais toi, tu as du courage. Tu devrais peut-être aller voir. Fais bien attention, j'adore tous mes nouveaux amis, je n'aime pas quand quelqu'un se blesse. Alors et là on recommence à zéro, hein, un niveau... Si tu regardes le niveau de camp et tout, notre jauge de vie, on n'a plus aucun buff, va falloir... Faut tous les faire sortir pour pouvoir se remettre à travailler. Faut dégeler, construire des trucs de chaleur pour dégeler tout le... Les trucs de flotte qui sont gelés, les jacuzzi... Si tu peux construire des chauffages, ça suffit pour les sortir. Alors là, c'est là que du coup, c'est intéressant. C'est que c'est le chauffage le plus rentable. C'est le poêle à bois qui est gratos. C'est étrangement. Ouais. Ah, bah du coup, les talismans sont partagés parce que j'en avais 20 à construire un truc, ils ont disparu mes talismans. Ouais, pareil. Je pensais pas. Allez, le petit renard, qu'est-ce qu'il dit? Tu as visité la boutique de Monsieur Pi aujourd'hui? Il y a de nouveaux articles tous les jours, tu sais. Mais je l'ai pas. Le pire, c'est qu'il s'est pas construit le truc que j'ai mis. Bah attends, il faut qu'il y ait un dragor qui se pointe. J'aime bien aller regarder ce qu'il a trouvé pour voir s'il y a de quoi jouer. Maman m'a dit de ne pas l'embêter, mais je crois que ça ne le dérange pas. C'est qu'il ne parle pas beaucoup. En tout cas, il n'a pas l'air fâché. Si je trouve des objets brillants, je lui apporte. Il adore les choses qui brillent. Ça lui fait tellement plaisir. Et d'ailleurs, il y a des armes. Il y avait des sacs côté de Monsieur Pic. Allez, faut générer de la... l'étalissement, là, machin. Là. Ici, on peut poser un poêle pour réveiller deux dragons d'un coup, ça va être nickel.
Hop, voilà. Ah, alors là, il y a des dragors qui sont carrément dans les terres. Il va falloir y aller à la main, le choix. Est-ce que je peux réussir à les choper? Attends, je l'ai mal placé celui-là. N'oubliez pas de reprendre vos rebuffs, hein, parce que... Ah oui, c'est vrai. Ah bah il me les a remis moi. Ah non en fait, ah c'est un bug ça. Ah c'est super cool. Quand j'interagis avec le dragor, je vois les buffs mais... Ah peut-être... Que comme ils sont gelés les miens... Moi c'est pareil, je crois que je me suis gouré. J'ai vu accélérer comme buff mais ça devait être quelqu'un qu'on devait juste venir de débloquer et... C'est pas celui que je voulais que j'ai pris. Par contre, le chauffage ici c'est cool, mais faut pas le démonter en fait. Ça sert à rien. Oui. Du coup, les torches qui vont s'éviter. Alors, on va prendre le truc qui donne un peu d'amélioration d'eau, comme ça on aura moins à faire. Ah, j'ai pas fait gaffe si monsieur Peel avait des torches. Si, il a des torches. Ouais, je vais y aller. Plutôt qu'en faire. Ouais bah oui, surtout qu'en fer, ça nous sera utile quand on trouvera des dragors dans la nature, mais là, sauf si c'est vraiment dans les terres, on s'en fout. Ah putain, ils ont pas de... J'ai aucun talisman. Allez, construisez-moi ces deux poêles à bois. Alors, c'est pour sortir cela. Voilà, ici. Oui, j'ai ton amélioration que je veux là. De vitesse d'attaque. Vieille herbe dans nos défenses là, virée. Voilà. Bon, par contre, faut que je retrouve tout le monde moi. Alors, du coup, on va pouvoir poser un petit poêle pour dégeler les améliorations d'eau. Il va en falloir ici également. Ouais, on peut peut-être le placer un peu mieux. Ici, ça devrait chauffer tout le monde. Bien si chanceux. Hop, voilà. Vitesse de course, non. C'est lui chanceux. Je crois que j'ai déjà pris chanceux. Apiculteur, on prend, on enlève. Spécialiste en curiosité, parce que c'est... Qui c'est qui a placé un chauffe-eau en hauteur? Bah c'est possible de le faire. Donc par contre ils ont un peu moins de portée. C'est buggé mais pas non plus trop abusé étrangement. Alors il faut qu'on débloque ça mais ça va le faire. Ah le renard on peut lui parler encore, qu'est-ce qu'il dit? C'est-il effrayant que j'ai découvert? Tu as jeté un coup d'œil? Pfiou, rien que d'y penser, ça me hérisse encore le poil. Peut-être que c'est juste le froid? Non, c'est l'île effrayante, c'est sûr. J'ai entendu maman en parler alors qu'elle croyait que je ne l'écoutais pas. Elle disait que les méchants, les exécuteurs, c'est de là qu'ils viennent. Bro, ça me fait super peur. Bon, bah on va commencer à être bien. Ouais, j'ai encore que deux...
truc d'amélioration, j'arrive pas à trouver. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas suffisamment d'eau alors que tout à l'heure on avait quelqu'un a fait monter quelqu'un de niveau? Non mais attends, je prends mon renforcement esprit de l'eau et... Ah t'avais un renforcement esprit de l'eau avant? Ouais. Bah j'en ai pris un pourtant là, c'est bizarre. Alors j'en avais pas. C'est lequel qui donne des chances de trouver 648, du loot? C'est bon. C'est replay. Normalement ça devrait être bon. Ah mais non mais c'est la bouffe, c'est pas l'eau, je suis con. Ah et puis ce jacuzzi là n'est pas dégelé. Sérieux, on va devoir en faire un troisième. Allez c'est parti. C'est de la nourriture, c'est pas de l'eau qui pose problème. Des graines. Il est où replay? Hop, des graines de choux et des graines de choux, voilà. Il me reste quelques champitos. Succès déverrouillé, feu de camp. Ah bah tu dois, ça doit être réchauffer tout un camp, un truc du style sûrement. Bon bah maintenant est-ce qu'on voit le phare de là où on est? Oh bah je suis surpris, tu n'as pas été chercher tous les trucs de Monsieur Pi, Chobiti. Bah non mais c'est ce que j'ai dit, il y avait des sacs à dos, des sacs de sport et... Ah non mais là il y a des fragments de lumiroc que tu n'as pas cassé. Ah non mais j'ai pas vu. Alors en montant un peu je ne vois pas de phare. Hein. D'ici. Ça me paraît pas évident non plus. Ibi, on va explorer à la main, tant pis. Je vais récupérer les points de passage. Seulement 16? Ah ok, bon, très bien. Pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement... Alors c'est le moment de fabriquer une torche brûlante à l'atelier de curiosité pour pouvoir les fabriquer dans la nature en fait. Hein. Ouais, moi j'ai fait. Alors une torche brûlante, un petit peu la loose. C'est où que c'est cassé? C'est ici, ouais ici c'est quand même cassé. Hein. On va réparer en speed. Et on va poser, je pense. De plus, plutôt là. Putain d'arbre. Voilà, ça. Ça devrait le faire. Du coup, la map. Oula. Où il y a masse de plans. À mon avis, le mieux ce serait probablement d'aller sur cette île là, comme ça on aura une vue un peu centrale pour repérer le phare. D'accord. J'arrive. Si vous voulez, on se prépare. On va pouvoir arrêter l'épisode là. On se prépare pour le prochain. Cette fois, je vais sauvegarder tout de suite avant de faire un truc. Voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous laisser un petit message. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye, bye, bye.